Spécialiste du Graal, le professeur Marian est mort dans de mystérieuses circonstances. Au moment de sa mort, il avait été aperçu dans plusieurs endroits à la fois. Lucie, sa femme, garde des notes secrètes concernant ses travaux de parapsychologie. Une collègue de son mari, Flora, se trouve en visite chez Lucie. Elle manipule les baguettes du I Ching et compose les hexagrammes à l'aide desquels elle prédit l'avenir. Annonce à Lucie le verdict du I Ching. Un étranger doit arriver. Alors, c'est numéro 40, la libération. Et 9 à la deuxième. Alors, ton visiteur vient tuer trois renards et va recevoir comme récompense une flèche jaune. La flèche jaune symbolise la lutte droite avec les bons moyens. Ce qui signifie qu'il doit absolument employer des bons moyens, des moyens adéquats. Sinon, il y a grand danger pour lui. Donc tu m'annonces un chevalier qui vient à la chasse. Mais en quoi sa chasse me concerne-t-elle ? Est-ce qu'il vient pour moi ou pour quelque chose? Il vient chercher sa destinée, comme tous, comme chacun. La destinée, l'oracle, vous les Grecs, n'en démordez pas, même quand vous faites la bonne aventure à la chinoise. Dis-moi plutôt, qu'est-ce qu'il me veut l'inconnu du I Ching? Il touchait très près à ton mari. Ne parlons pas de la mort de mon mari. Tu sais qu'en parlant raisonnablement, l'accident de ton mari ne s'explique pas. Je ne veux rien savoir. Oh, mais tu sais tout. Tu sais ce qui donne du poids à ces expériences. Et je cite quelqu'un qui t'est cher. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la source divine ou sublime de ces expériences. C'est leur réalité. Ces expériences, Flora, tu le sais bien, sont trop dangereuses pour le monde moderne. Je ne m'y intéresse pas. Parlons plutôt du bel inconnu. Qui t'a dit qu'il était beau? Lucie passe la plus grande partie de son temps dans le Kent, au Walland Manor, dédaignant son appartement de Londres. Elle n'a plus de voiture et d'ailleurs déteste conduire. Ses promenades suffisent à la distraire. La souffrance de Lucie, après la mort de son mari, n'est pas exempte d'une certaine rancune envers le destin. Elle avait sans doute pensé que le bonheur lui était dû pour toujours. Protégée par Araka, le fidèle serviteur de son mari, Lucie reste donc au Walland Manor. Les voisins traversent parfois la pelouse. Ils parlent, entre autres choses, des voleurs qui rôdent dans le village. La vie de Lucie se passe dans un calme feutré. Hé,
C'est un appel de Paris. Allô? Allô? Où en es-tu, mon chéri? Écoute, ce garçon dont je t'ai parlé, il arrive de mal. Hein? J'espère que pas pour moi. Mais ça paraît difficile de refuser. Mon directeur sait que nous sommes parents. Et quand ce professeur va venir et se dire que tu avais ce manuscrit, je vais lui dire comme tu veux. Écoute, je dis que si tu rejoues ce garçon, tu te déciderais finalement. C'est un spécialiste. Écoute, ma colombe, tout le monde sait. Toi le sais très bien. Mon mari m'a recommandé de ne pas donner ce manuscrit. Comment veux-tu que je fasse autrement? Oui, je sais. Quoique je ne comprenne pas bien. Mais quand ton mari t'habite bien, il partait en voyage. On ne te mérite pas, ma chérie. Tu sais, c'est libre, ma chérie. Mais maintenant qu'il est mort, il n'a sûrement pas travaillé pour nous. Enfin, je veux dire qu'il ne savait pas qu'il allait mourir dans cet accident. Sinon, on t'aurait pas dit ça. Comment le sais-tu? D'abord, quoi? Il est mort, il ne savait pas tout ça. Comment le sais-tu? Qu'est-ce que le mort? Qu'est-ce que la vie? Je te demande de recevoir ce garçon comme un service personnel. D'ailleurs, c'est un ancien élève de ton âme. Il va te plaire, tu verras. Il est fou de grâce et il ferait tout pour avoir accès à ce matin. Il s'appelle Sixtus Andrieux. Sixtus Andrieux? Il ferait tout pour avoir accès à ce manuscrit. Comme quoi, par exemple? Je ne sais pas, n'importe quoi. Il est fort, tu verras. Mais en fait, tout ce que je te demande, c'est de le recevoir pour mon directeur. Celui-là ferait aussi n'importe quoi. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il a engagé ce magicien. Eh bien, quelle magie plus forte que l'administration? Eh oui. Eh bien, ton sorcier de directeur, qu'il commence par poser son sceau sur un chèque de 2000 pounds et après je vais y réfléchir. Chérie, tu n'y penses pas. C'est bien que ce genre de livre t'a tirage limité, voyons. C'est à prendre ou à laisser? Bon, attends. Je vais demander. Oui, c'est ça, demande. Bien que monsieur Sixtus Andrieux arrive tenter sa chance. Il peut rester chez toi? Tu sais bien que j'ai déménagé, que je n'ai plus de meubles, que je n'ai plus rien. Comment veux-tu? Bon. Enfin, il peut. Merci, c'est merveilleux. Mais dis, je peux lui supprimer les frais d'hôtel. Araka, allez me chercher la mallette dans la chambre à côté de mon lit. Vous savez, il y a les voleurs à Oufa. Il faut mettre des dispositifs de sécurité, je crois. Araka, allez me chercher la mallette. Mais, de temps en temps, une image précise de son mari vient la troubler. La mallette que le gardien japonais est allé chercher contient le manuscrit du professeur Marian. Araka semble hostile à l'idée de confier à un étranger le fruit des travaux secrets de son maître. Tu
Cette histoire ne me plaît pas, pas plus que vous. On verra. Sixtus va se retrouver dans cette Angleterre qu'il avait quittée, encore étudiant, pour poursuivre, aux Indes, ses recherches sur l'environnement magique et les hauts lieux initiatiques. 7 années d'études, et au bout, le sentiment d'une sombre impuissance, d'un cheminement sans but. Allait-il pouvoir renouer le fil rompu en reprenant les travaux du professeur Marian? Le Graal, son obsession, certains chercheurs anglais venaient de le définir comme le parcours initiatique d'un labyrinthe. Les circonstances étranges de la mort du professeur Marian donnaient à penser à Sixtus que son maître était mort en état de bilocation, comme Byron, alité à Patras et signant le registre du palais lors de la fatale maladie de George III, ou comme Milarepa, prêchant au sommet de la montagne sacrée, vers laquelle, au même moment, il conduisait l'armée des pèlerins. Pour Sixtus, tout était déjà dans le manuscrit caché du professeur Marian. Il devait le retrouver à n'importe quel prix. À quelle heure est-ce que madame se réveille? Attendez, je vous prépare un plateau. Ce n'est pas la peine, je ne me lève pas encore. Est-ce que vous n'allez pas au cours aujourd'hui? Ou un peu plus tard, l'éditeur est arrivé. Il n'est pas éditeur. Préparer à manger pour que. D'accord.
Si vous voulez quelque chose à manger, tout est dans le frigo. Merci. Madame Marianne s'est couchée tard hier soir? Mais non, pourquoi? Elle dort combien d'heures d'habitude? D'habitude? Oui. D'habitude, 16 heures. Mais il lui arrive de ne dormir que 12. Elle est malade? Mais non, pourquoi? Je dois partir et je pense qu'elle a envie de dîner avec vous. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du riz complet. Vous donnez dans les plats orientaux, vous faites une coliva ou une cacha. Qu'est-ce que vous faites là? Mais non, c'est le plat de votre hôte. Il est végétarien. Il est végétarien? Oui. Mais vous mettez du bœuf dedans? Vous venez dîner. Mon mari m'a beaucoup parlé de vous. Il semble qu'à 17 ans, vous avez fait une thèse exceptionnelle. Vous étiez son élève préféré. J'étais poète à l'époque. Mais j'ai dû quitter l'Angleterre assez tôt. Il vous a vraiment parlé de moi? S'il m'a parlé de vous, il est très bon, votre riz. Et qu'est-ce que vous êtes devenu depuis que vous avez quitté mon mari? Je crois que vous avez beaucoup voyagé, que vous êtes devenu végétarien. En effet. C'est une discipline alors. J'espère que vous n'avez pas un gourou. J'en ai eu un autrefois aux Indes. Alors, vous voulez publier le manuscrit de mon mari. Cela m'étonne de vous. Je crois que je vois ce que vous voulez dire. Il faut garder le secret à l'intérieur d'un cercle d'initiés. Mais aujourd'hui, cela n'intéresse plus personne. Donc, on ne risque rien. Alors, pourquoi résister? La résistance est un art qui se perd. Mais prenez quelques fruits. «
Il y a une chose qui m'embête, mais il faut que je vous le dise. Dans notre riz, il y avait du viandox. Il y a une chose qui me fait horreur, c'est les gens qui cherchent quelque chose dans l'ordre ésotérique. Par la discipline, me font l'effet des joueurs de roulette qui apprivoisent le hasard par des martingales. Pour moi, ça relève du désespoir. La discipline permet aux gens des choses étonnantes, comme de ne pas bondir quand on viole leur discipline. Revenons plutôt à votre mari. Ma mission est de ramener ce manuscrit et de le préfacer. D'examiner le manuscrit, de le préfacer, de faire une biographie, le mystère de sa mort. Vous voulez donner tout ça au public. Vraiment, je crois que votre discipline vous a beaucoup perverti. C'est le livre que je suis en train de lire. C'est là que vous êtes arrivé? Oui. Mais alors, je ne vois qu'une chose naturelle à faire. Écoute, Michael, est-ce que tu aimes toujours Lucie? Oui, tu sais, bien, en l'air. Alors, c'est maintenant le moment de l'aider. Son état d'esprit m'inquiète. Elle a mal pris la mort de son mari, et à ce moment, elle est en train de s'embarquer dans une aventure avec un jeune homme, et ce n'est pas vraiment le mot. C'est mal. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Mais qu'est-ce que je peux faire, en tout cas? Je pars dans 2 mois pour les aller à je deviens en tout cas. Écoute, pense à une solution, parce que c'est vraiment dangereux, je t'assure. Je pense, pas vraiment. Tu ne peux pas l'emmener avec toi. Madame Dor? Non, elle se promène dans le parc. Vous restez dans la maison? Elle n'a pas de clé et moi je dois partir.